Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la procédure pour déposer un rapport de fin de forage et l'utilisation de dialogues afin de clôturer votre déclaration au titre du code minier via l'application Duclos. Avant de commencer la clôture de la déclaration, assurez-vous d'avoir la date des travaux réalisés, la localisation finale des travaux, la profondeur réalisée, la coupe technique de l'ouvrage ou toute autre information complémentaire. Attention, l'application est susceptible d'évoluer, toutefois, les fonctionnalités resteront similaires. La clôture d'une déclaration se réalise uniquement sur les statuts soumis. Vous pouvez abandonner la déclaration si les travaux ne se réalisent finalement pas. Cela notifiera les services instructeurs et les autres acteurs du projet de l'abandon de travaux pour cette déclaration. Si les travaux ont été réalisés et que vous souhaitez déposer le rapport de fin de travaux, cliquez sur l'icône vert. Vous pouvez clôturer votre déclaration de deux façons. Déposer votre rapport PDF puis valider sur Duplot. Cela clôturera votre déclaration et notifiera les services instructeurs. Ou bien, utiliser l'outil Dialogue, le remplaçant de GESFOR, pour la réalisation de la coupe technique et la génération du rapport de fin de forage qui clôtureront également votre déclaration et notifieront aussi les services instructeurs. En utilisant Dialogue, une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvre. Il affiche le dossier technique de votre ouvrage. Si vous avez plusieurs ouvrages, vous pouvez réaliser un dossier représentatif, ou bien, en revenant sur Duplos, vous pouvez ouvrir le dossier technique de chacun des ouvrages de la déclaration. À gauche de votre écran, vous avez les onglets sur lesquels nous allons naviguer. Dans Informations générales, vous retrouverez les informations administratives déjà renseignées dans Duplos. Si la profondeur forêt est finalement différente à celle déclarée, vous pouvez la modifier dans l'identification de l'ouvrage Longueur forêt. Dans Localisation, vous pouvez modifier la localisation déclarée pour celle réalisée si elle est différente. Il vous reste à remplir le journal des travaux qui est obligatoire. À savoir, dans tous les tableaux dialogue, vous pouvez double-cliquer pour saisir un champ et utiliser la touche Tabulation pour naviguer plus rapidement. Vous pouvez aussi exporter chaque tableau au format CSV. Dans Description, vous pouvez renseigner les informations pour la réalisation des coupes techniques et géologiques. En haut à droite, vous pouvez modifier le niveau de référence. Ainsi, choisir s'il s'agit du sol ou bien s'il est au-dessus ou en dessous du niveau du sol. Les tableaux à astérisques sont obligatoires pour la génération du rapport de fin de forage. Il s'agit du journal des travaux, de la méthode de foration et de la lithologie. À l'intérieur de ces tableaux, les champs avec un astérisque dans un triangle rouge sont obligatoires pour valider la ligne. Certains champs se remplissent automatiquement, comme le diamètre en pouces, après avoir mis un diamètre en millimètres. Vous pouvez visualiser la coupe en cliquant en haut à droite, voir la coupe technique. Cela vous ouvrira une nouvelle fenêtre que vous pourrez rafraîchir et qui s'actualisera avec les modifications apportées dans les tableaux. Attention, la profondeur finale de la méthode de foration doit être égale à la profondeur indiquée précédemment. Dans le tableau lithologie, nous préconisons de saisir vos informations brutes dans le champ commentaires, puis dans le champ constituant, il vous suffit de saisir les premières lettres et de faire une tabulation pour valider et saisir les champs suivants. Vous pouvez compléter une même ligne par plusieurs constituants, couleurs, qualifiants ou composants à l'aide de l'action plus. Cette possibilité vous permettra d'avoir une coupe complète et de qualité.
Attention, la profondeur finale de la lithologie doit être égale à la profondeur indiquée précédemment. Prochainement, le tableau référence lithostratigraphique sera activé. Selon vos connaissances, vous pouvez également saisir les âges géologiques. Pour cela, l'échelle des temps géologiques vous est proposée en aide. Dans la partie tests et mesures, vous pouvez ajouter des informations techniques complémentaires telles que des diagraphies en important des fichiers LAS, des venues d'eau avec des informations physico-chimiques associées, des niveaux piézométriques statiques. Vous pouvez également importer des pompages d'essai du logiciel gratuit WEP mis à disposition et générer un rapport de pompage. Enfin, dans l'onglet Données complémentaires, vous pouvez ajouter toute autre information technique en rapport avec la réalisation de votre projet en pièces jointes. Vous pouvez à tout moment mettre en pause la saisie sur dialogue et y revenir plus tard pour finaliser le rapport. L'enregistrement est automatique. Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les informations techniques sur dialogue, vous pouvez générer différentes coupes. Attention, un message d'erreur apparaîtra s'il y a des incohérences qu'il vous faudra corriger. Vous pouvez générer un rapport de travail pour voir le résultat et modifier au besoin. Le rapport de fin de travaux pourra être généré après la date des travaux. Puis, quand les travaux seront réalisés, vous pourrez générer un rapport de fin de forage qui va finaliser et clôturer votre projet. Toute modification sera impossible par la suite. Lorsque vous reviendrez sur Duplo, le statut de votre déclaration sera passé en finalisé et aura notifié les services instructeurs et les autres acteurs concernés par la déclaration. Ils pourront également visualiser le rapport de fin de forage. Si le statut n'a pas changé, n'hésitez pas à rafraîchir votre page. Votre déclaration au titre du code minier est clôturée.